essaye, moi j'arrive pas à les casser. Tu voulais m'ignorer, mais tes plans ont été gâchés. Comment est-ce possible de t'ignorer? Tu finis toujours par m'embrouiller. Qu'est-ce que j'ai fait? Comme si tu ne le savais pas. Un grand numéro. Un numéro? Alors dis-moi ce que c'était que ce numéro. D'abord, tu as pris ces fugitifs en stop, puis tu les as ramenés chez nous, dans notre vie. Mm-hmm. Ensuite, tu as essayé de pêcher. Oui, enfin, tu sais, j'avais rien programmé. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais quand tu dis que c'était un numéro, c'est bien ce que ça veut dire. C'est ta marque de fabrique. Tu fais toujours des choses impossibles. Je me demande à qui je me suis mariée. Nous nous ressemblons chaque jour un peu plus. Nous avions prévu de divorcer. Nous ne l'avons pas fait parce que je suis tombée enceinte. C'est une bonne chose. De quoi tu parles? Que je sois enceinte ou que nous n'ayons pas divorcé? Mille et une façons de ne pas répondre aux questions. Nous devrions écrire un livre à ton sujet. Ben, dis-moi pourquoi la police te recherche. En fait, j'ai commis aussi quelques crimes. Bien, laisse-moi régler les choses demain, pour que nous puissions mettre les voiles. D'accord, écoute. Je comprends que ce truc avec Idil était un accident, c'est fini maintenant. Mais ce que tu prévois est différent. C'est plus compliqué. Toi, ce que tu veux, c'est préparer un plan. Et de tendre un piège afin de tuer quelqu'un. Ce n'est pas un jeu d'enfant. Et tu es en train d'esquiver? Non. Si, si, tu le fais. Non, je t'assure que... Quel est ton problème alors, Cunate? Je dis ça pour ton bien. En fait, tu sais, ce genre de choses peut paraître facile vu de l'extérieur. Mmh. Mais tu dois préparer un plan, t'en imprégner, ne laisser aucune trace. Faire ci, faire ça. Et une fois que tu auras fini, tu verras peut-être un fourgon de police et tu seras menotté. Ce n'est jamais facile. Tu sais quoi? Tu ne me connais pas du tout. Es-tu prêt à entendre la vérité? Je sais que tu as tiré sur Sam. Tu te demandes comment je le sais, n'est-ce pas? Tu as tiré sur Sam. Détends-toi, un de tes péchés est effacé. Mais c'est moi qui l'ai tué. C'est moi. Ah ah. Mais comment est-ce possible? Tu sais ce que j'ai fait, Cunate? En seulement une minute! Une minute! Et il a clamsé. Il est passé dans l'au-delà. Je l'ai envoyé au cimetière. Appelle ça comme tu veux, utilise n'importe quel terme. Je m'en suis occupée en une minute. J'ai vu aux infos qu'on lui a tiré dessus. Ma tante s'est chargée de son opération et faisait tout ce qu'elle pouvait pour le sauver. Et devine ce que j'ai fait? Je suis aussitôt... Allez à l'hôpital. Tu te souviens de la porte de la salle des soins intensifs où tu as supplié l'infirmière? Oui, je suis entrée dans la chambre.
Tu sais ce que j'ai fait, Kunait? Je me suis acheté une belle perruque bouclée et colorée. Ma tenue était magnifique, mon maquillage aussi. J'ai mis un nez rouge et je suis rentrée avec les ballons dans la main. Il y avait ces caméras qui t'inquiétaient que tu voulais cacher. J'ai réussi à les cacher avec ces ballons. Cela n'a pris que quelques minutes. Il n'a fallu que quelques minutes pour que le poison pénètre dans son sang. Quand je suis sortie avec mes ballons, tu pensais encore à la façon dont tu allais tuer Seth. Mais il avait déjà arrêté de respirer. Et qui a fait ça? Tu sais quoi? Je n'ai même pas regretté une minute. Pas une seule. Parce qu'il le méritait. Il le méritait pour ce qu'il a fait à ma mère. Je vais faire la même chose à Asli. La même chose. Tu sais quoi, Kunait? Chaque fois que je pense combien ma mère était impuissante, je suis écœurée de voir le visage de ma chère tante Asli. Ainsi, après ça, ma mère reposera tranquillement et moi, je trouverai enfin la paix. Donc, mon cher, je suis douée pour ces choses. Alors arrête de me donner des conseils, arrête de me dire ne fais pas ci, ne fais pas ça, ne laisse pas d'empreintes digitales, etc. Soit tu m'aides comme un homme, hein? Soit tu me laisses tranquille. Tu as compris? Bien sûr que je vais t'aider. D'accord. Demain alors. Ok. Yigit. Pourquoi ta mère fait-elle une chose pareille? C'est à cause de mon frère. Elle pense qu'en faisant ça, elle se punit. Mais c'est pas la solution. Elle se le pardonnera que lorsque Ferhat lui aura pardonné. Eh bien, si elle parle à Ferhat de sa maladie et de ce qu'elle a enduré, il pourra peut-être oublier le passé et être aux côtés de sa mère. Comme l'a dit Gulsum, ma mère ne veut pas du tout que ça se sache. Elle continuera à se faire soigner, uniquement si Ferhat lui pardonne ce qu'elle a fait, sans qu'il soit au courant de sa maladie. Et que vas-tu faire, chérie? Je sais pas, mais on doit trouver un moyen de réconcilier Ferhat et ma mère. C'est la seule solution pour que maman guérisse. Allez, réponds, il doit être inquiet. Allô? Comment vas-tu, Ferhat? Bien. Ça va être comme ça maintenant? Plus d'appels, ni quoi que ce soit? Non, ça ne va pas être comme ça. Donc tu dis, fais ce que tu veux tant que tu restes à l'écart, hein? C'est super, ça. Comme si je me sentais pas mal, ni désolé, hein? Comme si j'étais pas un être humain. Comme si j'étais pas triste. Comme si je pleurais pas. Comme si rien n'était arrivé à ma famille. Comme si ma vie était géniale. Exactement. Ta vie est formidable, Yigit. Ne m'énerve pas davantage, sinon tu vas le regretter. Tu prends la fuite, Ferhat. Tu es un lâche. Tu comprends? C'est ce que tu fais toujours. Quand tu as des problèmes... Et que tu peux pas sortir une arme, tu fais... Fais-toi. C'est pas la vérité? Tu prends pas la fuite quand tu arrives pas à surmonter une épreuve? C'est très bien. Ça demande du courage d'affronter quelqu'un et de parler, mais tu sais pas faire ça. Oh, moi qui pensais que mon grand frère était un homme fort et courageux. Mais j'avais tort depuis tout ce temps. Qu'est-ce que tu en sais? Qu'est-ce que tu sais de ce que j'ai enduré? Tu sais ce qu'on a traversé ici? Ce qu'on a enduré? Non. Parce que tu penses uniquement à toi. Tu comprends? Dis-moi ce que tu as vécu, alors. Vide ton cœur. Je suis curieux de savoir comment la vie de Yigit Aslan a été ravagée. D'accord, je vais te dire.
mais je peux pas le faire comme ça, pas au téléphone. Viens, et je te le dirai en face. J'arrive, attends-moi. Ferhat, écoute, essaie au moins de te calmer avant de lui parler. Non, je vais lui parler maintenant. Il semble chercher les histoires. D'accord, alors rentrons d'abord à la maison pour nous changer. Regarde dans quel état on est. Est-ce que tu lui as parlé? Va-t-il venir? Oui, oui. Comment l'as-tu convaincu? Je l'ai mis en colère. Il va venir pour régler ses comptes. Il rate jamais ce genre d'occasion. Et si ça devenait pire, Yigit? Et si vous vous fâchiez davantage? Non. À partir de maintenant, ça pourra pas être pire. Bien, je vais chercher ma mère. Ok. J'espère que tout ira bien. Nous allons arranger les choses. J'en suis sûr. On va trouver une solution. T'inquiète pas. Sois prudent, Yigit. Ok. Ok. Donc c'est comme ça, alors. Tu vas mener ta propre barque, alors. Écoute, chérie, c'est mon problème. Je dois le résoudre seule. Comme tu veux. Mais je te dirai où aller quand tu auras fini. D'accord. Qu'est-ce que c'est? Ça me semble léger. Où est le reste de l'argent? Envolé. Que crois-tu? Il peut se passer n'importe quoi, tu sais. On peut faire confiance à personne. N'importe qui peut te trahir n'importe quand. Je te fais simplement assurer mes arrières. Oh, ne te fâche pas. Ce n'est rien. Tu as fait ça pendant la nuit? Allons. J'ai toujours été comme ça. Depuis que tu me connais. Tu es une femme très intéressante. C'est ce qui fait mon charme. Tant mieux, alors. Mais ne garde pas l'argent ici. On ne sait jamais. Regarde-moi dans les yeux. Crois-tu que je ferai une chose pareille? J'ai un coffre-fort. Les affaires de ma mère sont aussi dans ce coffre. Je vais mettre l'argent dedans. En fait, je vais partir en même temps que toi. Tu peux attendre, je vais chercher l'argent. Ok, je t'attends dans la voiture. D'accord. Merci beaucoup. Maman? T'as pas pris ton petit déjeuner? Tu veux que je te prépare quelque chose? Non, ma chérie, je n'ai vraiment pas faim. Pourquoi tu ne dis pas directement que tu ne veux pas t'asseoir à table avec moi, Yeter? C'est tellement difficile d'entendre la vérité? Plus rien ne m'affecte désormais, Andan. Donc ne t'inquiète pas, ça n'a rien à voir avec toi. Mon fils, bienvenue. Bonjour. Bonjour. T'es venu tout seul, Yigit? Comment ça va, Yigit? Je vais bien. Assieds-toi. Tu veux un thé? Non, merci, Abidine. Je suis venu chercher ma mère. Je vais l'emmener à la maison prendre le petit déjeuner et j'espère que tu n'as pas encore déjeuné, maman. Suna l'a préparé pour toi. Non, pas encore. Mais pourquoi fais-tu ça? Allez, maman. Je peux partir si tu veux. Mais Suna a préparé beaucoup de choses. Elle risquerait de se vexer. Non, j'arrive. Laisse-moi juste prendre mon sac. Allez. Ok, d'accord. Ok, vas-y. Je t'attends à l'entrée, hein. À bientôt. À bientôt. J'espère qu'il n'y a rien de grave. Yeter n'a jamais été une bonne mère. Mais son procureur de fils lui montre beaucoup d'intérêt. Tu devrais lui demander, maman. Peut-être que tu apprendrais certaines choses de la part du Yeter. Bien, Yigit, quand tu m'as parlé de ce petit déjeuner, j'étais impatiente, mais maintenant j'ai des doutes. Il ne se passe rien de grave, n'est-ce pas? Non, maman, tout va bien.
Goussou m'a dit que Handan était rentrée. Alors on se dit qu'elle doit t'agacer. Suna et moi, on a décidé de t'inviter. En plus, Osgur ne t'a pas vu quand on est parti. Ça va être une belle surprise. Ok, parfait. Allons-y. D'accord. Oui, nous venons d'arriver. Est-ce que Ferhat va rester ici? Non, pourquoi tu le demandes? Ben, tu sais, comme nous nous étions disputés... J'espérais que nous pourrions avoir une chance d'en reparler. Nous verrons ça ce soir, Judith, si ça te va. Pour le moment, on doit aller voir Yigit, tu comprends? Oh, ma chérie, tu veux dire nous ne serons pas que toutes les deux? Ma tante, j'ai quelque chose à te dire. Peux-tu ne pas aller chez Yigit? Non, je pense que c'est impossible. Julie, nous avons tout le temps, tu sais, nous pourrons discuter plus tard. Eh bien, je ne sais pas. J'ai vraiment besoin de te voir. Tu sais, ma mère me manque. Je pense que c'est pour ça. Je pensais que nous pourrions nous retrouver. Pour discuter, arranger les choses une bonne fois pour toutes. Ne t'inquiète pas pour moi. Parfois, je ne sais plus ce que je dis. Bien, écoute, alors rentre. Je t'attends à la maison. Ok. D'accord. Au revoir. Asli, êtes-vous disponible? Je suis désolé de vous déranger. Vous ne me dérangez pas, monsieur le procureur. Entrez. Qu'est-ce qu'il y a? Il s'est passé quelque chose? Un coup de feu a eu lieu près de la maison de Nami Kamiran l'autre jour. Qu'est-ce que vous voulez dire? Nos gars ont enquêté. Ils ont trouvé des traces de sang appartenant à Nami Kamiran. Vous voulez dire qu'il était près de la maison? Oh mon Dieu, comment puis-je vous aider? Dites-moi. Il se trouvait très près de la maison. Quelqu'un l'a forcément vu. Eh bien, je n'ai rien vu. Mais si vous voulez demander aux membres de la famille, essayez. Asli, je l'aurais déjà fait si j'avais voulu le faire. Mais vous n'êtes pas du tout comme eux. En quoi suis-je différente d'eux, monsieur le procureur? Ils se protègent mutuellement. Mais nous avons déjà collaboré ensemble. Pensez-vous que votre mari puisse être lié à ça? Avez-vous vu Nami Kamiran? Écoutez, monsieur le procureur, vous et moi n'avons pas collaboré. On ne peut pas appeler ça une collaboration. J'étais dans une position difficile et je vous ai appelé, mais j'ai fait quelque chose dans le dos de Ferhat et ça ne m'a vraiment pas plu. C'est pourquoi, s'il vous plaît, ne vous attendez pas à ce que j'en fasse plus. Avez-vous eu la réponse que vous attendiez? Pas exactement, Ferhat. Écoutez, monsieur le procureur, je sais que nous ne nous sommes pas rencontrés dans de bonnes conditions. Nous avons eu quelques problèmes. Je n'ai plus rien à voir avec Namik désormais, que ce soit en bien ou en mal. Si je le retrouve, c'est moi qui vous préviendrai directement. Ne vous en faites pas. En êtes-vous sûr? Je n'ai plus de lien avec ce type, ni sur le plan moral, ni sur le plan matériel. Vous et moi voulons la même chose pour Namik et Miran. D'accord. Donc nous travaillons main dans la main. Au fait... Nous avons entendu dire que Nami Kamiran est en contact avec Kunait Kokak. Qui se ressemble, ça semble. Comme nous allons collaborer, vous devez garder les yeux ouverts. Si nous apprenons quoi que ce soit, nous vous le dirons. Passez une bonne journée. Vous aussi, oui. Hé ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien quoi ? J'ai bien entendu, tu as l'intention de collaborer avec le procureur? Exactement. Je suis le seul qui puisse l'aider dans cette affaire. Tu as bien fait. Comment as-tu fait? Julide s'en est occupée. Julide? Qu'est-ce qu'elle a à voir là-dedans? Souviens-toi, la troisième personne dans l'histoire. C'est Julide. Elle vient avec nous. Tu lui as fait confiance, abruti. Il en manque la moitié. Elle l'apportera lorsqu'elle partira avec nous. De plus, elle s'est démenée pour l'avoir, donc prenons ça comme une sorte de garantie. Dans tes rêves, je suis sûr qu'elle est déjà partie. Non, elle n'est pas comme ça, Namik. Et toi, tu ne fais vraiment confiance à personne. Dis-moi pourquoi, hein, dis-moi. Elle va le ramener, crois-moi. Je l'aurais remarqué si elle nous avait tendu un piège. Tu ne sais pas du tout qui est cette fille, Kunait. Je la connais très bien. Elle a essayé de coucher avec moi pour de l'argent. Elle m'a couru après bien longtemps. Mais je me suis éloigné, alors elle est allée vers toi. Jusqu'à ce qu'elle réalise que tu es idiot.
Mon oncle, tu ne fais que salir une pauvre jeune fille. Ce n'est qu'une jeune fille, arrête un peu de parler comme ça, hein. Très bien. Ne pleure pas quand tu réaliseras qu'elle ne vient pas. Et je ne te plaindrai pas. Tu te débrouilleras tout seul. Non, impossible. J'ai confiance en elle, je suis sûr qu'elle va venir. S'il y avait un piège, je l'aurais immédiatement remarqué. Impossible, elle sera là, c'est sûr. Allez, Ferhat! Ferhat! Ah ah, est-ce que vous partez? Eh bien, je pensais que tu ne viendrais plus, alors nous sommes sur le point de sortir. Il y avait beaucoup de circulation, ma tante. C'est pour ça que je suis en retard. Pouvons-nous discuter un instant? J'ai besoin de te parler de quelque chose d'important. Oh mon Dieu. J'y vais. J'aurais bien aimé aller avec toi. Ne t'inquiète pas. Yigit et moi n'allons pas nous entretuer. Nous allons parler à cœur ouvert entre frères. Et Julie veut te parler de quelque chose d'important. Ferhat est d'accord pour que tu restes. Ok, alors d'accord. Asli. Tu sais que je t'aime. Je t'aime aussi. Merci. Merci à toi. D'accord. Ils devront nous communiquer les prix des carreaux de granit pour que je puisse les comparer demain. D'accord, on se rappelle. Qui a touché au coffre-fort de Namik? L'argent a disparu. Comment pouvons-nous savoir qui l'a pris, maman? D'ailleurs, est-ce une façon de le demander? Tu n'as pas honte? Très bien. Continue d'ignorer les choses. Mais je sais qui a volé cet argent. Celle qui convoitait l'héritage a volé cet argent. Ça suffit, ma tante, ça suffit! Maman, c'est vraiment méchant de ta part cette fois. C'est ça. Continue d'attendre naïvement. Tu ne te rendrais même pas compte si on te volait sous tes propres yeux. Je ferai payer Yeter pour ça, dès qu'elle sera rentrée. Et vous allez tous le voir. Je suis sûre qu'elle l'a volé. L'argent est la seule chose qui l'intéresse. Mon Dieu, je n'arrive pas à croire à quel point elle est avide. Elle n'en a jamais assez. Merci pour le petit déjeuner, chérie. Avec plaisir, mais vous n'avez rien mangé, Yeter. Allons, au contraire, j'ai trop mangé. Je vais préparer un café bien crémeux que nous allons déguster ensemble, d'accord? D'accord. Qu'est-ce que Ferhat fait ici? C'est toi qui l'as appelé? Bienvenue, Ferhat. J'étais sur le point de faire du café. Assieds-toi. Yigit n'est pas là? Il est à l'intérieur. Je vais le prévenir. Merci beaucoup. Il y a deux assiettes dans l'égouttoir à vaisselle. Tu as reçu un invité hier soir? Tu ne me feras jamais confiance? Quel est le rapport avec la confiance, Julide? Tu peux avoir un ami. Tu vis aussi dans cette maison. Quelqu'un t'a peut-être rendu visite. Qu'est-ce qu'il y a de mal?
En fait, tu as fait des choses par le passé qui ont remis en question ma confiance, mais... Ma tante, s'il te plaît, souviens-toi le jour où nous nous sommes rencontrés. Tu étais si gentille et aimante. Que s'est-il passé? Je n'ai pas changé, Julide. Je t'aime toujours. Je ne te crois pas. C'est un énorme mensonge. Ton frère était la seule famille que tu avais. Tu n'as jamais considéré ni ma mère ni moi comme faisant partie de la famille. Qu'est-ce que tu racontes, Julide? Je te dis ce que je pense et prends-le comme tu veux. C'est la vérité. Est-ce que c'est vraiment ce que tu penses? Tout à fait. D'accord. Tu as été honnête avec moi depuis que tu es arrivée ici? Est-ce que tu t'es posé la question? Tu m'as caché ta vie, ton passé, les choses que tu avais faites. Lorsque j'essaie d'arranger les choses d'un côté, j'ai l'impression que tu essaies de tout détruire de l'autre. C'est comme si tu avais toujours quelque chose en tête, Julide. Parfois, je me dis même, elle ne peut pas faire ça, c'est ma nièce. Mais depuis que je te connais, j'ai l'impression que tu te réjouis du malheur des autres, que ça te fait plaisir. Qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être que tu es comme ça, et que tu l'as toujours été, mais... Si tu n'agis pas honnêtement, si tu ne me dis pas ce que tu ressens, et ce que tu attends sincèrement de moi, nous ne pourrons jamais nous comprendre. Ne me regarde pas comme ça. Ne me regarde pas comme ça. Arrête! Arrête de me faire culpabiliser, d'accord? Je ne fais rien pour te faire culpabiliser. Merci pour le thé. Je vais faire de cette fille, mon Dieu, je t'en supplie, aide-moi. Oui, tu sais toujours tout, mieux que personne. Tu es la plus belle, la plus jolie. Tu es celle que tout le monde aime. Je te déteste tellement. Tu me rends vraiment malade. Je déteste tellement la personne que tu es, ma tante. Je te déteste plus que tout. Nami qui sera en premier, retrouvons-nous au café dans le centre de Hussein Lee à 15h. Ton bonheur va bientôt prendre fin. Ta vie de princesse est sur le point de se terminer. Bébé, si tu es libre ce soir, j'aimerais passer te voir. Tu me manques tellement, Cunaït. Cunaït? Non, Cunaït. C'est la chose la plus douloureuse qui soit.
vraiment juste pour être avec ce type. Bravo. Tu es aussi coupable que... Julide ? Julide ! Ouvre la porte, qu'est-ce que tu fais dans la cuisine ? Quoi ? Mais qu'est-ce que tu veux ? Laisse-moi tranquille ! Pourquoi tu es en contact avec Namik et Kunait ? Mais qu'est-ce que tu es en train de fabriquer ? Ça ne te regarde pas. Je peux parler à qui je veux, quand je veux. Ça ne te regarde pas. Qu'est-ce que tu racontes ? Ça suffit, arrête de me sermonner. Tu as compris ? Arrête ça ! Ah ! Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais, Julide ? Julide, ouvre cette porte ! Tu me rends malade, tu comprends ? Arrête de me sermonner ! Julide, ouvre la porte, ne sois pas ridicule ! Économise ton souffle, ma tante. Tu en auras bien besoin là-dedans. De quoi est-ce que tu parles ? Tu vas bientôt le savoir. J'ai trouvé un message sur le téléphone de Julide. Elle doit retrouver Kunait dans un salon de thé dans le centre du Seinli à 15h. Namik sera là aussi. Au fait, nous avons entendu dire que Namik et Miran est en contact avec Kunait Kokak. Qui se ressemble, s'assemble. Comme nous allons collaborer, vous devez garder les yeux ouverts. Qu'est-ce que tu veux, Julide ? Qu'est-ce que tu attends de moi ? Je veux une belle vie. Je veux une vie dans laquelle on me traite avec considération et sans être humiliée. Une vie dans laquelle je suis aimée, dans laquelle on prend soin de moi. Je veux une vie comme la tienne. Mais bien sûr, Julide, tu mérites cette vie, bien sûr. Je la mérite. Écoute-moi. Ma chérie, tu n'auras pas cette vie avec Kunait et Namik. Ça n'a rien à voir avec Kunait et Namik. Arrête de jouer les tantes attentionnées comme si tu t'en soucies réellement. Arrête de jouer les anges gardiens avec moi. Je ne veux pas, tu comprends ? Je sais qui tu es réellement. Ma mère est la seule que j'aimais. Crois-tu vraiment que je t'ai aimée ? Tout ce que je t'ai dit n'était que mensonge. J'ai joué le rôle de la fille gentille avec toi. Durant tout ce temps, ce n'était qu'un rôle. Tu es si naïve. Tu ne me connais pas vraiment, mais tu vas finir par me connaître. La seule chose que je veux est que tu te mettes à genoux devant moi et que tu me supplies tout comme ma mère vous a tous supplié. Tu vas me supplier. Julide, écoute-moi, je voulais pas que ça se passe comme ça. Je n'ai demandé à personne de me supplier. Je n'étais même pas au courant de l'existence de ces lettres jusqu'à ce que tu me les montres. Tais-toi. Je m'en fiche. Je m'en fiche. La seule chose que je sais, c'est que ma mère est morte dans la misère. Vous êtes tous responsables de sa mort. Julide, je n'ai rien fait à personne, je te le jure. Je t'en supplie, ouvre la porte, j'ai la tête qui tourne. Si tu dis s'il te plaît, peut-être que je finirai par l'ouvrir. Julide, s'il te plaît, ouvre la porte. Encore. Dis-le encore. Julide, s'il te plaît. Supplie-moi. Je t'en supplie, ouvre la porte. Supplie-moi comme ma mère vous a tous supplié. Dis-le plus fort. Dis, je t'en supplie, s'il te plaît. Supplie-moi. Je veux entendre ta voix, ma belle. Je veux l'entendre. Allez, supplie-moi. Qu'y a-t-il ?
Es-tu trop fière pour supplier? C'est humiliant, hein? Julie, s'il te plaît, ouvre cette porte, allez! Ma mère a passé les derniers jours de sa vie dans ce même état. Elle se sentait toujours mal. Elle voulait mourir. Juste comme toi en ce moment, Asli. Si impuissante. Je t'attendais, justement. Je ne suis pas d'humeur, Andan. Je me moque de ton humeur. Qu'est-ce que tu as fait de l'argent qui était dans le coffre-fort? De quoi parles-tu, quel argent? Menteuse. Tu l'as volé. Dis-moi, qu'est-ce que tu as fait avec cet argent, hein? Avec qui tu l'as partagé? Dis-moi! Ne sois pas ridicule, de quel argent parles-tu? Je n'ai pas pris d'argent. Menteuse. Qui d'autre aurait pu le voler? Mais pourquoi vous vous disputez encore? Je suis fatiguée de tout ça. Tu m'as insultée de diverses choses à plusieurs reprises, mais de voleuse? L'argent est la seule chose qui t'intéresse. C'est pour ça que tu t'es attachée à Namik. Qui sait quel genre d'histoire tu lui as raconté? Mais ce n'était pas suffisant, n'est-ce pas? D'ailleurs, même Ferhat a pris la place d'Abidin et a fait tout ce que Namik lui avait demandé de faire pour de l'argent. Il a fait tout ce que Namik avait demandé. Juste pour prendre l'argent et les biens que mon frère possède. Écoute-moi. Écoute-moi. Tu as dépassé les bornes. Ni mon fils, ni même moi, n'avons besoin de faire quoi que ce soit pour obtenir l'héritage de Namik, parce que... Parce que Ferhat est le fils de Namik. C'est son fils biologique. Tu comprends, Andan? Tu attendais quelqu'un d'autre? Non. Non, qui pourrais-je attendre? C'est la fin de l'aventure, Knate. Qu'est-ce que ça fait? La vue est belle de là-haut? Quel grand homme es-tu? Vraiment. Tu es une légende. Comment fais-tu pour toujours trouver les gens, hein? Dis-moi. Comment tu as fait cette fois-ci? Tu fais confiance aux mauvaises personnes. Et ça me va parfaitement. Qui est cette personne? Julie a dit quelque chose? Je ne sais pas. Ne te fais pas trop d'illusions. Tu ne peux pas me forcer à dire quoi que ce soit. Le front. Les méchants finissent par être punis tôt ou tard. Ta peine est arrivée plus tôt, que puis-je dire? C'est le destin. Tu crois toujours que tu peux gagner, Ferhat Aslan? Bien sûr. Bien sûr. C'est facile d'être arrogant quand on gagne. Tu n'as qu'un seul mot à dire et tout le monde t'écoute. Mais le monde est un casino géant, Ferhat. Personne ne gagne. Tu vas perdre aussi. Tu vas échouer totalement. Je vais payer le prix pour ce que j'ai fait. D'accord. Mais c'est toi qui en payeras le prix fort. Julie est venue te supplier et tu as eu pitié pour elle. Elle a fait ça uniquement pour être seule avec Asli. Pourquoi? Sais-tu pourquoi elle tenait tant à discuter avec sa tante? Hein, dis-moi, Ferhat. Julie a beaucoup pensé à comment sa mère a été abandonnée. À la façon dont elle pourrait se venger. Elle est folle, Ferhat. C'est une psychopathe. Mais elle est si jolie. C'est Julie qui a creusé ma tombe. Et elle est en train de s'occuper de ta femme. Je t'aurais prévenu.
Julide. Je t'en supplie. Je voulais qu'on soit une famille, Julide. Ma grande sœur. Mon grand frère. Nous. S'il te plaît, ne fais pas ça. Je voulais qu'on soit tous ensemble. Une vraie famille, c'est ce dont j'ai toujours rêvé. Mais ça n'a jamais été le cas. Julide, s'il te plaît, ouvre la porte. Je sais pas ce que j'ai la tête qui tourne, je me sens pas bien, j'ai peur pour le bébé. Ouvre cette porte. Si seulement tu avais connu ma mère. Tu l'aurais tellement aimée. Elle était si jolie. Aussi jolie que toi. Julide, qu'est-ce que tu as fait? Parfois, j'étais jalouse d'elle. Ma tante? Julide! Oh, Julide! J'ai finalement vengé la mort de ma mère. C'est enfin fini. Ma tante. Ma tante. Ma tante. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Bon sang! Qu'est-ce que j'ai fait, bon sang? Ma tante, je suis désolée. Ma tante! Ma tante, bon sang! Ma tante, pardonne-moi! Je suis désolée!